Compatriotes haïtiens, frères chums, gros coup de chapeau pour nous toutes. Jeudi, c'est lundi 15 juillet 2024. Déjà, m'a dit bienvenue. Nous sommes sous TAC 509, tout haïtien connecté dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Nous avons continué pour tes informations pour nous. Nous avons continué à brasser l'idée sur tout petit détail qui a dominé l'actualité. Yon nouvelle semaine commence, nous kon mot d'ordre là déjà, veye kote wap mit pye ou, youn veye sou lot, youn protège lot. Gros point kap domine actualité, hein? Genye bonne nouvelle. Premier ministre Garry Conille ak ekip li yo commencé poser action, yo commencé prend en pile gros décision pour pays, pour peuple haïtien. Dans ce sens, nous gagnons un pile jovenelistes qui ont même bat gros bravo la contentement suite à décision sa yo qui prend par bon côté gouvernement premier ministre Garry Conille. Nous pote vidéo pour vous ou pral gagner tout détail yo nan bon ti marmite. Yon groupe politicien manqué prend bois calé compatriote haïtien franchem. C'est dit m'a dire ou poko wè. Nous gagnons vidéo nous pral partager avec vous. Politicien sa yo yo te vin séparé du riz. Et ça, son exemple lidoyé pour peuple haïtien, son exemple lidoyé pour pays d'Haïti. Rete là, nous pral ba ou détail. Nous gen ancien sénateur Nenel Kassi, qui lui-même li réagit. Après un pile tolé qui te gen sous tout réseau, à côté commissaire Ernest Muscadet lui-même, li te fait gros déclaration comme quoi, et Nenel Kassi fait complot pour voye touye commissaire Muscadet, et commissaire Muscadet allait plus loin, dit n'importe côté joint Nenel Kassi là, mais n'en pas de cassave, la paraît-elle. Eh bien, Nenel Kassi li réagit. Et compatriote haïtien vrai chame saisissement puisque Nenel Kassi li réagit nan boule figi commissaire Muscadet nan Miragouane nan juridiction nan département NIP pays d'Haïti. Nou pral baou détail. Nous gagnons président conseiller docteur Louis Gérald Gilles qui lui-même li parlé. Compatriote haïtien vrai chame relation premier ministre Garry Conille ak président docteur Louis Gérald Gilles son relation poisson crasé dans bouillon. Comment premier ministre Garry Conille fait là? Compatriote haïtien vrai chame, gen bagay pou konnen et président li parlé, ou pral gagner tout détail yo ensemble. Nous pral analyser qui sa situation. Et déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer petit cloche de notification comme ça ou après te connecter avec nous, ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Compatriotes haïtien franchem, n'a commencé émission avec une très mauvaise nouvelle puisque et bandi exam, nèg exam, yo pas suspendre Simaïla la trouble, yo pas suspendre mettre de l'eau nanje et population qui sa bagay lan ye bien matin en bonheur bonheur nèg sa vient yo dans base Grand Griffe yo décidé yo a occupé route nationale numéro 1 parce que objectif yo sa yo visé c'est rivé à démolir c'est rivé à prendre contrôle et commissariat pour sonder à son situation qui vraiment crée en pile panique puisque nèg yo nèg exam yo tout ça qui a passé, tout ça qui a bougé sur route nationale numéro 1, yo tiré, yo mette du feu dans camion moun, yo mette du feu dans machine moun, et bien nèg exam yo décidé, yo pa kite moun et la Tibonit tranquille, yo a attaqué moun yo a simaye la troublay nan mitan population, continue créer drame, continue mette de l'eau nanje et peuple haïtien. Donc nan sens sa, li extrêmement important pour DG la police Salamon Ormil pour prendre toute disposition qui approprié yo de manière à ce que pour régulariser situation. Parce que là c'est jou k'ap passé. Ces jours qui a passé, c'est plus perte en vie humaine que moun yo yo a enregistré, c'est plus moun qui a perdu bien yo, c'est plus moun qui a perdu kayo, c'est plus moun qui a couru pour bandi. Donc ou vini, c'est pas en vacances, c'est pas en promenade, c'est pas en poste et yo just ba ou pour être chita regarder, mais c'est action. Et c'est action yo qui pral parler, qui pral monter, qui pral montrer véritablement est-ce que on volonté, est-ce que gen capacité par bon côté nouveau DG pour faire face avec insécurité, pour faire face avec question gang kap taye banda nan pays. Donc nous gagnons policier Kenya yo ki la. Yo pral gagner bientôt yon mois là, 25 juillet pral faire yon mois nan 10 jours encore. Donc qui ça y a réglé véritablement?
C'est autant de questions qu'a posé et compatriotes haïtiens frères sœurs, réponse yo, qui est-ce qui gagne yo? C'est pouvoir l'État, c'est CSPN qui gagne yo, c'est autorité kenyane yo qui sous place yo gagne yo. Nous-mêmes entre-temps n'a continuer et victime. Depuis hier soir, m'pa caché dit nous tellement regarder vidéo, parce que premier bagaille qui attire attention dans vidéo c'est environnement. Environnement, c'est comme si ou te ka di c'est Haïti. Parce que l'on gade ti kayo, ou gade terre, pa gen route, ou gade moun yo. J'ai pas de différence. Pas de différence avec les politiciens haïtiens à traiter haïtiens. Je ne peux pas faire politique par ici à traiter haïtiens. Yo prend nous pour moun grand goût. Yo besoin faire beurre, yo besoin faire capital politique, yo débarquer là avec un petit camion diri. Yo séparé le parti Godet by moun Cité Soleil by moun et Badelman dans quartier populaire yo sous base que c'est moun grand goût yo sous base c'est moun qui dans nécessité yo vini aider yo mais derrière vini aider yo c'est comme si son cadeau empoisonné yo ba yo parce que le vin by jury ça là son forme de campagne oui compatriote haïtien frères sœurs c'est comme si son petit pansement y a mettre sous maligne là oui moun yo met wè problème là mettre situation difficile là. Yo la oui, y a pas madou. Yo la oui, c'est comme si y a vinn caresser, y a vinn jouer dans maillou, y a vinn jouer dans l'espoir avec ti diri. Reprenn. Y a vinn jouer dans maillou avec ti godé diri, ti godé poire. Mais moun sa yo jeune ganeyen sa yo prend courage à des bras. Yo prend courage à demain pour yo di non. Nous pas vle diri, c'est job nous vle, c'est travail nous vle. Mettez travail dans pays. Mettez travail dans pays pour permettre à ce que situation nous changer. Pour permettre à ce que nous répondons avec besoin nous. Nous ces jeunes femmes, jeunes garçons, nous qui travaillons. Nous qui force pour nous travailler. Eh bien, créer travail dans le pays. Qui bagaille vire tourner Tigo de Diri? Qui bagaille avant parler, avant nègre vini, c'est Tigo de Diri, Tigo de Poix, etc. etc. Non. C'est créer des opportunités pour jeunes femmes et jeunes garçons qui créent une stabilité économique pour bien-être, pour demain même. C'est ça que vle nous bailler comme leçon. Oui, un politicien ici. Ah oui, yo pral commencer à séparer diri. Oh, ça ton y a ton coup et gouvernement lancé officiellement question inscription électorale. Ton non. Non 3 mois encore n'a pas pour nous donner. Combien politiciens à terre là qui te gètan cœur pour al bailler ti godé diri, ti godé poids, ti saumon etc. C'est pratique là. Donc moi même t'a remé, oui c'est vrai, nous ka grand goût. Oui c'est vrai, situation pays en critique, bagay yo chaotique, bagay yo pas bon vrai. Misère amère, bouche pas goût, tout ça nous obligé prendre. Mais faut que nous penser à demain. Faut que nous penser à dans 10 mois. Faut que nous penser à demain. Faut que nous penser à 1 an, à 5 ans, à 10 ans. Parce que qui s'allie, c'est pas ni yon ni jodi yon nèg yo bay diri, non? Ti gode diri, ti sache diri, c'est pas ni yon ni jodi yon, mais qui sa jamais changé? Moun sa yon ka pran pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, yon pran ti gode diri nan radio populaire. Jounen jodi yon ka chan sak diri, mette sou tabla ka yon pou yon manje, jan yon vle jan yon pito, non? Yon toujou pa ka manje, yon toujou nan gangou, yon toujou nan nécessité. Parce que c'est pas ça qui solution. Aide humanitaire, ONG, c'est pas ça qui solution. Au besoin pays où fonctionner, c'est créer opportunité pour haïtiens en dedans pays où, c'est créer opportunité pour citoyens qui vivent dans pays où. Bravo pour Ghana, bravo pour moun Ghana, jeune femme jeune garçon dans communauté Ghana. Yo ba exemple. Donc nous même haïtiens si nous pas prendre exemple, bon, c'est nous ka. On patriote haïtien frères sœurs, n'avancer. Nous gagnons ancien sénateur Jacques Sauveur. Jacques Ito lui-même et lui évoque un dossier qui est extrêmement intéressant. Et pendant qu'on a parlé de questions politiciens qui viennent acheter haïtiens avec Tigo de Diri, Tigo de Poix, tout ça. Et bien politiciens haïtiens qui ont même yo tellement cupide, yo tellement avare, yo tellement tout fait. Et bien yo même tout compatriote haïtien frères sœurs, yo pa à l'abri pour bateau yo couler. Yo pa à l'abri pour yo prendre et ramener ka dit ça pour yo faire face avec propre réalité yo, pour yo faire face avec propre cupidité yo. Et bien dans ce ça, comme politicien haïtien yo toujours rentrer dans politique pour aller enrichir, pour aller chercher belle vie, pour aller faire l'argent, acheter belle caille, belle machine de yo pays. Et bien Jacques Ito li pote yon nouvelle.
Nous prenons le temps ensemble avec moi qui ça nouvelle zilaï. En nous allons. Automatiquement, vous êtes un mauvais politicien. Une fois motivé par la volonté d'être rémunéré et sous chercher le trop, vous êtes un pivier politicien. Vous ne devez pas motiver. Et c'est ça que fait ma pandème. Si n'importe jour je me mise sur transformer les choses en politique, tout bon, bien entendu. Passer dans le Parlement, c'est côté où fait ça. Mais c'est espace où la loi du nombre pas bon chance. Comme Saint-Gluton pour ta vie faire vedette. Il faut qu'on accorde, il faut qu'on cherche qui gens pour regrouper où. Parce que la loi du nombre met tout petit, chaque voix compter ou te mettre. Chaque sénateur pesait même nombre de kilos, 100 kilos. La seule différence, ou quand tu as une matière là, différente, ou tu dois joindre 100 kilos de coton, ou tu dois joindre 100 kilos de pierre, ou tu dois joindre 100 kilos de diamant. Pour dans l'assemblée. Donc la qualité de l'homme qui a fait que ou on a fait un débat avec un nèg qui a tiré coup de poing sur ou l'autre qui a vina un bouquet de matière fécale, on l'autre qui a crasé chaise. Mais cependant ça le possédé a mettez le son balance l'égal à 100 kilos. Donc ça vient faire que pour changer l'ordre des choses à travers une assemblée comme ça, il faut qu'on regroupe, il faut qu'on équipe. Nous à peine entamé entretien ça sous politique en Haïti, sous vous même en tant que politique. Nous capable sentir émotion qui dégager. Et comme ça vous campez une image qui pas vraiment reluisante pour notre pays Haïti. Ça qui passe? Quel problème n'y a? Je pense que la notion que nous devons gagner de nation et pas gagner assez de données pour édifier des citoyens pour comprendre ce que ça veut dire nation. Par exemple, conseil de livre, ouais, il a retiré dans l'éducation, qui était gros livre, l'instruction civique. Conseil de livre qui pas vaut grand chose, mais moi, au conservé, la grammaire française, l'ensemble des règles à suivre pour parler et écrire correctement le français. Ça n'a rien à voir avec votre nation. Aussi simple que ça. Et pourtant, il est maintenu. Puisque objectif système d'éducation, c'est qui gens pour yon kembe ou non situation sont pas contre qui est souillé. Puisque c'est l'ensemble des règles à suivre pour parler et écrire correctement le français. Oh, je ne suis pas français. Ça me perdu dans apprendre et écrire correctement le français. Et puis c'est la donne moi fait toute vie. Or, ce petit livre qui enseigne à l'enfant ce qu'il doit savoir pour mieux servir son pays, il a éliminé l'instruction civique, l'instruction et, civique morale. Et morale. Donc, ou vin un problème d'identité, ou pas même qui est souillé. Parce que chitan dans l'église, tout le monde noir et puis c'est un blanc. Ah, ou d'accord. Ou qu'on doit dire, ah, c'est pas des couleurs, esprit pas. Non, pas fait ça. Si c'est Jean-Jacques Dessalines qui me dit, ouais. Je suis plus content. Si c'est Capois la mort que je suis ouais, je suis plus content. Si c'est Henri Christophe que je suis ouais, parce que c'est eux qui me connaissent, c'est eux qui racinent. Dans qui est fou pour un Haïtien, pour un Africain, pour dire que le même saint en blanc français. Donc, éducation nous vient faire que politique nous vient. Ça là. Parce que politique là reflète exactement état d'âme nation. Et m'gen news pour nous.
Là où un sénateur de graine gauche cochu, c'est parce que le sorti dans le milieu de graine gauche cochu. Parce que c'est tout le monde de graine gauche cochu qui votait, ça qui semble à qui voit le baou pour le représenter. Pour ne pas comprendre le jour et sénateur, c'est le jour. C'est mon, tout le monde est honnête toujours. Parce que Jean est là et qu'on s'abole la caille. Jean est là et qu'on s'abole la caille. Son façon pour dire que le peuple toujours joint politicien que le mérite. C'est ça le choisir. Pas même que le mérite, c'est lui qui choisit. Donc, un problème d'identité, automatiquement, il faut mauvais politicien. Une fois motivé. Voilà. Compatriote Aïssé Frechem, si nous bien comprendre, c'est que le choix de la population fait le plus souvent. Et moun nou choisi voté yo, donc nou pa ka attend nou avec gros résultat. Donc c'est comme ça, Jacques Itoli même li comprend réalité a. Sou voté, yon malandrin pa attend que le pral pote résultat pou. Sou voté, yon rolè pa attend que le pral vin pote résultat pou. Sou voté, yon corrompu pa attend que le pral vin pote résultat pou. Et surtout, le principal motivation politicien yo, c'est faire l'argent, c'est garoter, c'est enrichir yo, etc. Donc, quand on sent ça, nous gagnons par de responsabilité nous, pour nous connaître qui est-ce qui a voté, qui est-ce qui a choisi, qui est-ce qui a mis dans tête l'État, qui est-ce qui nous prend le marché derrière dans la prochaine élection qui a gagné pour faire dans le pays. Compatriotes Aïssé Frechem, et gagnons plus d'informations pour nous continuer à partager avec vous. Et nous gagnons le dossier Nenel Kasti, nous gagnons. Calendrier examen l'état 2024 là que ministère éducation nationale a publié, c'est extrêmement important parce que moi on est en pile monde qui gagne si monde va aller l'école, donc il est important pour qu'on ait et qui le examen va faire, comment examen va dérouler et tout ça. J'en ai regardé là ensemble avec moi et bien compatriote Aïssé Frechem, examen officiel yo lancé, OK. Et mais faut rappeler date examen l'état yo a déroulé à Nissa. Sorti 22 pour arriver 24 juillet 2024, c'est examen pour 9e année fondamentale. Sorti 22 pour arriver 26 juillet 2024, c'est examen pour l'école normale institutaire, moun ki besoin al préformation pour vin professeur. Et sorti 22 pour arriver 26 juillet 2024, c'est examen pour centre éducation familiale. Sorti 5 pour arriver 8 août 2024, examen baccalauréat, ça n'est le secondaire 4 ans. Et n'a gagné en 5e position, sorti 12 pour arriver 30 août 2024, c'est examen pour formation technique à cap professionnel. C'est suivant calendrier ça que Timounio a gagné pour y aller composer également. Et moun nan ki besoin al compose pou yo vin instituteur. Donc, nou va konnen comment yo pral fè pou yo rétabli sécurité dans pays ya, mais et ministère éducation nationale yo publié de manière officielle date examen. Donc, semaine prochaine là, si moun yo pral pran chimen et route examen, yo pral pran chimen et on l'autre bataille encore. On l'autre bataille, ou fait tout temps ça à l'école. Et on va pas prendre, on va le composer dans l'examen officiel, et puis l'on fini, on pas qu'à servir pays, ou pas de sécurité dans pays, ou pas qu'à apprendre rien dans pays, ou l'État pas créé conditions. Donc, c'est un véritable casquette chinois. Des fois, le gain de série de jeunes qui posent des questions, et pour qui ça oblige exiger tout état, l'école, ou à l'apprendre métier, pour qui résultat dans pays, ou pas qu'à vivre dans pays, ou pas qu'à apprendre rien dans pays, ou pas qu'à sortir tête, ou pas qu'à travailler pour défendre tête, etc. Des fois, question moun yo yo fondé, question moun yo yo sensé, mais malheureusement, nous obligés respecter à la lettre, nous obligés respecter à la lettre ça qui dit pour nous former tête, nous. Parce que si vous pas former tête, ou bah yo ka vin pi mal, comprenez pas yo ka vin pi mal, parce que trop abolocho, nous n'y abolocho à cravate, nous n'y abolocho sans cravate. Pays a pas à continuer comme ça. Arrivons au temps, c'est moun qui forme, qui a obligé à occuper tête l'État. Trop pour libre dans l'État, trop abolocho, trop moun de gen gauche dans l'État. Vous comprenez? L'État, tout pays qui a fonctionné, l'opre États-Unis, États-Unis, go établissement. Go établissement qui est établi pour politique là. Ou pas qu'à sot kote sot pour vin président américain, non? Bon,
entre guillemets, entre parenthèses, Donald Trump. Mais après ça, bon établissement, faut faire Ivy League, faut faire grande université, faut sortir et peut-être dans une grande université américaine. Yo. En France, bon établissement, bon structure qui mettait en place, ou pas qu'à sortir côté sorti pour en Iguini, ou pral pour mettre au président français, non. Si nous suivons parcours des séries de monde qui passaient et comme président français, yo gon parcours, yo gon histoire, yo te formé tête yo. Malgré le yon chef d'état toujours bien dérivé etc etc, mais yo formé tête yo. En Haïti sous suivre parcours des séries de présidents qui passaient, c'est pas un phénomène catastrophique. Mais si parcours nèg la catastrophique, qui soit qu'à attendre nous? Qui soit qu'à attendre nous? Nous choisissons moun k'ap dirige pays en sous base émotion trop. Non, nous pas kanan émotion toujours. C'est moun ki capable pou nou mette nan poste kote ke yo kabay de résultat. OK? C'est compétence ki doit priorité nous. C'est compétence, c'est savoir-faire lan ki doit priorité nous, mais pas on est bon question de chance, des amis taille parce que moi mes femme figil, moi mes femme tête li, moi mes discours. Non. Non. Compatriote ici frère Cham. Dossier Nenel Kassi et ancien sénateur Nenel Kassi li réagit. Nenel Kassi, si n'ap suiv bien nan communiqué ça Nenel Kassi publié, gon bay ki attire attention, c'est le fait que et li publié communiqué, il mette comme lieu de publication Miragwan NIP dimanche 14 juillet 2024. Et commissaire Muscadet dit la chercher Nenel Kassi n'importe côté joindre là maintenant n'a pas de casse pour l'arrêter. Et bien Nenel Kassi suite à publication elle dit Muscadet dans juridiction là m'la caillou dans Miragwan m'la caillou moi. Donc ça veut dire on communiquer ça. Et bien Nenel Kassi lui fait un râle menin vini en long et en large et suite avec campagne dénigrement il dit que orchestré contre lui-même, il a persécuté lui sur réseaux sociaux yo. Et il dit que lui-même, il son ancien sénateur de la République de 2006 à 2016, il toujours adopté un comportement qui est exemplaire, il toujours été attaché avec valeurs démocratiques républicaines, il condamné avec plus gros rigueur toutes actes criminels qui a tracassé pays que pays a connu depuis 5 dernières années ça. Li mandé à gouvernement pour prendre toute disposition yo pour rétablir et sécurité en dedans paysan sous tout et sous tout 10 départements sous tout étendue du territoire là et parce que li même ta bon côté pal l'a toujours prend engagement et pour soutenir toute démarche qui a fait pour restaurer l'ordre et sécurité dans pays parce que ça qui beaucoup plus important pour lui et ces questions et sécurité paysan tout ça donc et moment il dit moment c'est pas moment chirépit c'est pas moment hingang mais moment il exige union il exige tête ensemble pour mettre tout différent tout problème yo de côté pour permettre à ce que et nation en rallie en souffre pour permettre à ce que pays en rallie en souffre li bay garanti ak population haïtienne nan en particulier et avec partisan li que le pape jam rentre non débat stérile non débat qui pas porter rien le bon li pa rentre nan zin li pa rentre nan brigandage ka fait et côté que pas sénateur a fait perdu li pa rentre nan aucun brigandage ka fait et nan aucun débat stérile et pour pas proliférer et plus bagaille reprendre plus mauvaise image sous ça qui était déjà gagné côté bandi yo même yo pas suspendre terroriser population li mandé pour yo mettre toute focus yo sur ça qui important sur ça qui nécessaire et pas c'est pas un moment pour mon a fait tergiversation et position pâle, il toujours clair position pâle, il prend position contre gang yo et il toujours montrer ça sans équivoque, pas rien de mesure, il pas jamais passer par quatre chemins, il montrer lui-même, il pas jamais nan rien qui gain pour avec gang. Donc silence il prend, recul il prend et cette tentative pâle pour apaiser tension yo, il pas répondre Muscadet, c'est pour apaiser tension, mais c'est pas bagaille li pa te ka di hein si m ka di le ça donc c'est pour apaiser tension yo li pa répondre li dit que la mené combat et pour valeur fondamentale yo respecter et lutte contre corruption impunité souveraineté nationale
et pour une conférence nationale rétablissement sécurité dans pays hein? Et donc il tient pour attirer attention ennemi yo et que actuellement là il n'est pas affilié avec aucun groupe politique et ni tout pas à l'origine et ni pas à l'origine de pouvoir qui est en place. Il n'est pas affilié à aucun groupe politique qui est à la base du gouvernement qui est en place, etc. Donc, et, ni tout, il n'est pas travaille dans le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Donc, tout le monde qui a dit que l'ancien sénateur Nenel Kassi a travaillé, a un job, a un poste dans le ministère de la Justice, le sénateur a dit non, négatif. Il n'a pas travaillé dans le ministère, il n'a pas fait partie d'aucun groupe politique qui a un monde dans le gouvernement, bien qu'a soutenu le gouvernement, bien qu'a soutenu le conseil présidentiel transition. Donc, il dit que l'engagement envers revendication peuple haïtien, il a prêté intact, rien pas changé. Et le combat continue, donc c'est constant. Nenel Kassi lui-même, compatriote haïtien Frèchem, il a réagi et par rapport avec un ensemble de tollés, un ensemble de scandales qui t'ai gagné semaine qui s'est passée sous réseau entre lui-même, commissaire Muscadin qui fait de gros révélations ou bien encore de graves accusations. Donc c'est constant. Nenel Kassi lui-même li répondre. Bien, compatriotes haïtien Frèchem, on quitte le dossier Nenel Kassi, on rentre dans le dossier gouvernement, premier ministre Gary Conille. Gary Conille, compatriotes haïtien Frèchem, avec gouvernement lié là et actuel ministre TPTC, hein? Yo décidé, yo a continué avec des séries de gros chantiers qui t'ai commencé. Des séries de chantiers pendant près de 3 ans, réel passé à. Et toute sa Jovenel Moïse était en main, Ariel était là, Timari pas monté, Timari. Même on tout rate Ariel va boucher. Pour me dire nous vérité, même on tout rate Ariel comme premier ministre. À tout gouvernement là, il a pas fait rien, il a pas bouché un petit tout rate. Eh bien, nous prenons gain ensemble avec moi là et travail que actuel ministre des Travaux publics là, il a même entreprendre d'un côté, il a décidé, il a metté asphalte dans Port-au-Prince, c'est travail qu'a fait et partisans, sympathisants, ancien président Jovenel Moïse, yo bat gros bravo parce que yo di, yo wè gouvernement sa, yo même yo pa kite projet et président Jovenel Moïse yo mouri nan tiwa, mais gen continuité ki a fait pour bien population, pour bien-être collectif. Là, nous a suivi ensemble avec qui sa ta fait, comment travail yo même yo tap déroulé. Ministère des Travaux publics décide de solutionner le problème. Ça, je ne suis pas capable de suivre les amis et les autres. Tout le travail qui a fait là, et en plus le travail qui a fait de Marie-là, a mis un peu. Christophe, oui, côté que travail ça a fait là, eh bien, non, et route ça qui est vraiment impraticable, nous pas boire, mais oui, c'est asphalte qui est posé là, parce que ça a été en subi et compactable, et puis, nous avons gardé,
comment dans l'autre point là, le lycée Asphalte a déposé, le lycée de suite, dans nos camarades, comment ça va là, à ce niveau-là, le toujours dans l'avenue qui stoppe. Suivez avec nous, nos amis internautes, suivez avec nous comment travaille ça. Devant, alors dans le monde, c'est bien. Côté en plus de monde, en plus de monde, en plus de poste, en plus de techniciens réunis là, et pour réaliser ce que nous travaillons. Suivez avec nous, en nous réalisons. Voilà, compatriote Haïtien Frèchem, c'est Jean a constaté là et Gemar Topiqueur qui a fait et l'autre travail là, il va le mettre assurément, il va le mettre en bouche égout, il va le couvrir égout. Donc travail canalisation est extrêmement important, j'espère que yo prend ça en considération parce que faire route là youn, faire entretien route là son l'autre bien faire canalisation son l'autre bagaille parce que si pas gè ou ka bouke faire route depuis pas gè canalisation route la craser rapide vite non badge la craser parce que depuis l'eau a plein de dormi l'eau a plein de et envahi espace donc tout naturellement la craser donc il y a extrêmement important pour yo continuer et faire entretien pour continuer à aller dans l'autre zone yo, dans l'autre département dans l'autre commune depuis ces côtés qui besoin route depuis ces côtés route crasée pour chantier grand chantier yo et pour continuer gain question centrale électrique yo tout mes amis ministre travaux publics de grâce centrale électrique yo prend ça en considération là n'a regardé yo travailler yo fait
et trop trop yo. C'est là, il y a travail, il y a fait du travail, il y a fait du souké koyo. Il y a fait du souké koyo, mais il y a l'autre bagaille, il y a l'autre point extrêmement important, et question centrale électrique yo, pas quitter centrale yo fin raser, pas quitter yo fin voler pièces dans machine etc. Mais mettre centrale électrique yo en marche pour courant 24 sur 24 ans pour tout nos réalité. Pour tout nos réalité. Nèg yo ta plus ramen 20 blackout que yo pays a gen courant. Que yo a limiel la plime la kay malire malirez. M'songe m'tap gade yon émission Dimitri Vop ta participe. Elle te dit carrément qui intérêt et comment malire a fait payer courant 24 sur 24. Il te dit ça. Il te dit comment moun paysan yo pral nan jardin et cetera, yo pa besoin courant 24 sur 24. Yes. Dimitri Vop gite kap te dit. Donc faut courant 24 sur 24 là tout en réalité parce que si pas gè courant dans pays comment on va demander étranger venir investir comment moun k'ap besoin investir comment on va investir alors que pas même gè énergie pas même gè courant pour yo fonctionner tout ça donc ça est extrêmement important et me pense que faut que ministre et travaux publics là faut gouvernement vraiment pencher sur ça et chantier question faire route assainissement nous connaît et conseiller président l'Esprit Voltaire li vraiment focus ça c'est domaine ça c'est grand chantier li te pral pour le travail dans domaine ça donc que moun yo que monsieur yo entend yo pour yo au moins river satisfaire population parce que nous besoin ça bien compatriotes haïtiens frères chèm n'avancer et pas gè campé n'avancer nous gagnons un dossier extrêmement important puisque dans commencement émission j'aime te annoncer li. Eh bien, il y a un conseiller président, Louis-Gérald Gilles, docteur Louis-Gérald Gilles, qui lui-même lui parlait, lui expliquait dans bon petit mamite, compatriote haïtien Frechem, relation lui-même avec Premier ministre Gary Conille. Il y a pile bagaille qu'a dit le Premier ministre, eh bien, président Vini là, démenti formellement. Démenti catégoriquement et nous pral saisi ouais proximité nous pral saisi tande proximité zanmi tay kokoday qui gagne entre CPA ah oui entre conseil présidentiel transition si nous ka fait si nous ta va bay un petit crédit avec le conseil président qui gagne qui existait entre et conseil présidentiel transition malgré tout avec premier ministre Gary Conille qui lui-même qui était tellement soif pour retourner vivre dans tête primature son bagaille phénoménal. On attendait ensemble tout détail docteur Louis Gérald Gilles conseiller président et qui l'est et l'itabaille pays. On va regarder attendre ensemble. Et je voudrais profiter dès le départ Gary pour rappeler à cette population que Louis Gérald Gilles c'est un produit de complexité sociale, de complexité qui est dans la société là. De complexité politique là, par rapport à déchirement de la société. Là. Si on produit de même complexité géographique par côté, nous sortons même dans le propre département. Et Louis Gérald Gilles, c'est aussi un monde qui est issu d'un combat de toutes les dernières décennies. De 1980 à 1990, Louis Gérald Gilles commençait déjà à s'engager dans la bataille politique. 80-90, bon, qu'on le veut ou non, l'histoire qui a montré qu'il y a des tirs qui étaient faits, mais nous avons une porte étendard, la question finie. Et la bataille contre Duvalier, je dis à nous qu'on reconnaît qu'il y a eu des erreurs, la bataille ça, par exemple, question logique, craser la main, nous, élite, mener nous là, les gens en sécurité à battre, frapper. Il y a aussi des valeurs, il y a des négatifs qui étaient dans Duvalier, il y a aussi des valeurs que nous ne pas arriver. La logique manichéenne, nous, en bataille 80-90 ans, nous pas arrivé vraiment à comprendre ça. Et nous, on est en train de payer ses conséquences. Mais c'est parce que nous sommes combattants qui doivent reconnaître l'erreur qui était faite dans la décennie 80-90. Il y a eu 16 décembre 90, nous étions là-dedans, nous étions présents. Et ça me rappeler quand Jean-Bertrand Aristide, le président Aristide, t'a voté. Le jeune homme qui était derrière lui, à Claire Heureuse, c'était moi-même. Donc, de 90 à 2000, il y a eu la bataille quand même pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et de 2000, à 2010, on était sénateur de la République. Et aussi, il y a aussi une autre bataille pour le retour en 2011 de Jean-Bertrand Aristide au pays. De 2010 à 2020,
ça c'est bataille encore plus terrible dans vie moi, c'est aussi ma bataille contre certaines dérives que nous avons pensées au niveau de 2010 à 2020 de bon du pouvoir de Michel Martelly. Oui. Oui. Qui de 2020 à 2030 me voici aujourd'hui membre du CPT. Donc c'est-à-dire c'est pour faire court parce que c'est déjà dans un livre, c'est l'histoire d'un homme qui s'est combattu, qui s'est engagé aux côtés du peuple haïtien. Et malgré cette bataille politique, il y a aussi cet engagement social de Louis Gérald Gilles. Et pendant toute époque, ça a eu une bataille contre Michel Martelly, tout le monde s'est quitté là. Il y a eu Préval au pouvoir. Eh bien, je tiens à le préciser pour nous comprendre bien. Gouvernement Préval, Louis Gérald Gilles avait toutes les possibilités de s'impliquer et, tant qu'on nous dit, d'avoir une vie économique extraordinaire. De s'enrichir. De s'enrichir, ce gouvernement de Préval. Parce que j'avais des amis et c'est pratiquement un gouvernement d'essence Lavalasse. J'ai refusé. J'ai choisi l'île moins. De, et c'est un meilleur pour moi gouvernement qui gagne le dernier moment, quand même, le gouvernement de Préval. Il y a eu le gouvernement de Martelly. Michel Martelly, c'est un ami personnel. Ces amis m'ont pas gagné. Et les gens autour de Michel Martelly, c'est des gens qui me sont très proches. Donc, m'ont pas gagné, t'as empêché. Si je voulais m'enrichir, t'as rentré dans Martelly, m'entrer, t'as pas gagné, t'as empêché ça. C'est quelqu'un que je connais depuis plus de 30 ans. Depuis ma jeunesse, tout le monde connaît que nous très proche du groupe Sud-Biki. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu aussi le gouvernement de Jovenel Moïse. Si je voulais m'enrichir, Gérald Gilles, t'as impliqué correctement dans Jovenel Moïse, qui, de regretter mémoire, me salue mémoire et président Jovenel Moïse. Et dans le dernier moment, nous étions très très proche, nous t'a parlé presque chaque soir avant la mort Jovenel Moïse. Mais j'ai toujours dit que je devrais choisir ma bataille. C'est 20 ans de construction d'une vie, c'est pardon, m'a dit c'est 30 années, mais les 20 dernières années de 2004, m'a sénateur encore, à 2024, c'est 20 ans de construction d'une personnalité, d'un monde qui est engagé, qui est toujours très proche population, qui mettait à la disposition, aller à Grand Gouave, aller à Petit Gouave, aller au Gad Mouni Abdou, c'est 10 années que je baille dans la localité ça pour me servir population, pour m'opérer grand matin, m'aller 5 heures du matin pendant pratiquement, me dit 9 ans au niveau de l'hôpital de Grand Gouave, Georges Gauvin. C'est moi qui servis avec clinique, moi. Je toujours mettre, c'est vrai, je mettais la service, moi, parce que je vivre tout. Mais en même temps, c'est la petite bourse qui est toujours disponible, toujours prêt pour vous, bail service. Et pour me terminer, Gary, il y a une raison qui fait me venir, ce n'est pas dans cette logique de me défendre. Mais c'est cette construction de toute une vie que je gagne. Et puis moi, excusez-moi, j'aimerais les parler, non, il y a des vagabonds qui pensaient à utiliser les réseaux sociaux pour essayer de détruire l'image, il y a un monde qui construit ville comme ça. Et cette construction, je dis, n'est pas construction seulement politique, sociale, idéologique, mais construction économique, vim. Parce que pendant que je suis comme ça, mais quand même, son médecin m'a opéré, m'a marié à un professionnel, tout, cap travail. Et finalement, je dis à un petit peuple ici, je n'ai pas une richesse en termes de cash, de liquide, je n'ai pas d'argent. Même si on a dit que, mais quand même, mon patrimoine, c'est le patrimoine d'un homme pratiquement qui a réussi sa vie. C'est le patrimoine de, par exemple, en termes de biens meubles, je voulais pour le monde comme ça. Parce que même si je suis là comme médecin, un médecin en travail, il fait ce qu'il a, il mettait avec famille, et finalement, mon patrimoine, mais voilà, mais c'est là, et ma déclaration de patrimoine, et que me dépassait millions de dollars. C'est normal. C'est 20 ans, 30 ans, construit quand même. J'ai toujours rêvé habiter en côté. Et heureusement, par les gens qui ont dit, c'est leur politique. Oui. C'est la construction de deux professionnels qui construisent. Et puis finalement,
primature. On peut trouver 16 au hommes. Au niveau des partis politiques. Au niveau des structures politiques. Et ceci, au niveau même du 21 décembre. Qui est aussi dans la vie politique de son pays. Semaine, ça me donne rendez-vous avec lui. Et puis, je lui dis, mais Edouard, excusez-moi, mon ami, est-ce que tu peux me permettre de voir d'où viennent ces flèches? Mm-hmm. Il m'a dit, ne perds pas ton énergie à voir d'où viennent ces flèches. Mm-hmm. C'est à toi de te comporter. Mm-hmm. C'est à toi de surveiller aussi les gens qui boivent autour, qui doivent faire des ordres, qui ont utilisé non tout pour régler les causes, ou même si tu n'as pas fait ça, la faute aussi est à toi. Tu dois surveiller ton entourage. Mm-hmm. Ça peut arriver n'importe où. Mais attention, il faut que ou pas entrer dans la logique de défense pour venir empêcher ou pas produire. Mais Gary, pour me terminer mon introduction, je suis venu, c'est surtout à partir de deux anecdotes extrêmement importantes que me débat au off-record, mais je tiens quand même à préciser. C'est que j'ai une patiente. Une patiente que j'ai fidélisée, c'est-à-dire quand on fidélise son monde qui patiente depuis 10 ans, qu'elle soit docteur Loyal, Folrel, Mpoul, dit docteur Gilles, m'dalouetel docteur, elle a sa petite fille, la fille de son fils, qui est infirmière, c'est une personne âgée, elle m'a dit docteur, pas de possibilité pour ta faire beau fils ou quoi, mettez petite moyen et en côté pour moi, me dit beau fils moi, il dit oui ministre, elle m'entendait, elle dit mais beau fils ou m'content. Et ce n'était pas de la méchanceté, ni de la perversité. Parce qu'on a ici un bon côté pervers, perfide, la glisse. Mais elle était sincère. Elle me dit, mais chérie, tu parles de qui? Ministre, elle me dit, c'est pas mon beau-fils. Or, j'ai compris que finalement, là où un bagage ça a circulé, et pour me terminer, il y a un monde qui est très proche, qui même arrivé à dire... Que tu vas taire son nom. Mais on rapporte que c'est la fille du docteur Brignol serait ta fille hors des liens du mariage. Et puis je lui dis, mais tu parles de quoi là? Mais c'est pour comprendre, ça m'a fait comprendre Gary Darius, c'est que question réseaux sociaux, ça y est, mentez, hein, il en reste toujours quelque chose. Ouais. Finalement, on vient de nous compte que si je quitte bagage, ça y est, passé vague, ça y est, cette construction de on vit, n'est capable de passer à travers questions réseaux sociaux, côté son désordre. Je pense que d'ici 20-30 ans, il y a des mesures claires pour empêcher les gens, agresser les gens comme ça, sur question de ces mensonges qui finalement, moins doux, nous prend pour des vérités. Donc, il est important pour me justifier certains points, et pas seulement pour me défendre, comme tu as dit, en toute transparence. En toute transparence. Parce que au moment de la nomination des ministres, tu as un remous. Nous allons parler de ça. Au moment, nous sommes au moment maintenant de la nomination des directeurs généraux. Mais moi, étonnamment, une Nancy préférée, c'est Gérald Gilles. Nous allons faire comprendre à la population qu'au niveau du CP, toutes ces choses-là se font dans la transparence. Merci. Et parce que nous n'avons pas contre qui Jean BNC nommé, nous pas contre qui Jean DGPNH nommé, nous pas contre qui Jean Premier ministre Gary Conille a été choisi presque à l'unanimité par le Conseil présidentiel. Et tout ceci a été fait dans la transparence. Merci beaucoup. Donc, que nous nous comprenons, et par où il faut y monter, suivre plutôt. Et on aura toujours un Gérald Gilles pour expliquer à la population. Et même là, nous allons préparer pour un directeur de communication au sein du CP. Nous allons le faire. Mais de toute façon, moi comme CP, je prendrai toujours mes responsabilités pour expliquer à la population. Merci, docteur Gérald Gilles. Merci d'avoir fait un long exposé de la situation. Mais maintenant, nous sommes arrivés à la phase des questions. Nous souhaiterions que... pour répondre aux questions de manière directe, évidemment. Il y avait une tendance, Monsieur Gilles, à voter un certain Fils-Aimé. Tout d'abord. Et le secteur privé des affaires parlait de deux ou trois personnalités du CPT qui étaient douées voter Monsieur Fils-Aimé. Rapidement, situation qui tournait et puis, comme tu viens de dire, à l'unanimité, on a voté Gary Conille.
S'agissait-il à l'époque du poids de l'international ou s'agissait-il d'une réflexion sereine faite au sein du CPT pour voir que Gary Conny était, ou est encore le choix, n'est-ce pas, dirigé, concerté et le choix consensuel au niveau du CPT. Est-ce que c'est blanc qui dit non, votez ça, votez Gary Conny. Parce que la tendance à l'époque, tu as plusieurs conseillers qui t'ont pensé, chaque monde t'est pensé à voter au monde différemment. Monsieur le docteur. Très bien. Très belle question. Et Gary, quand je t'ai dit tout à l'heure que je suis un homme, je suis un produit de cette société, de sa complexité. Mmh. Et c'est peut-être un avantage, en même temps, tout son désavantage. Bien, je tiens aussi à te rappeler que dans la complexité, ça, souvent, on a une situation extrêmement difficile. Tout à fait. En ce sens, que le Gary Conny, j'ai une histoire personnelle avec Gary Conny, j'ai une histoire personnelle avec Didier Fizeme, mais ce n'est pas précisément Didier, c'est surtout son père, Boulon et Fizeme, ouais. Et son histoire qui était marquée, même pas épargné population, hein, ouais. Relation personnelle que m'étais développé avec Boulon et Alex Didier Fizeme, le père de le Didier. Le père de Didier. Alex, Alex. Et Boulon. J'ai une histoire personnelle, bon, pas personnelle, là c'est une histoire politique que j'ai gagné avec Paul-Antoine Bien-Aimé, parce que je n'ai pas cité. Oui. C'était un grand candidat aussi. Oui. J'ai une histoire personnelle avec, je parle de 5 personnes qui étaient dégagées, avec Roro Joisil, Odolphe Joisil, histoire très personnelle. Pas gagné qui, en termes de préférence de moi-même, tout le monde sérieux, c'est des monde. Bon, et pas seulement Roro et Joisil, il y a aussi Gérald Germain, un homme extrêmement brillant, compétent, qui était là. Et chaque monde sérieux, je prends tout. Moi, mettez en contact avec tous ces pays. Mettez en contact, je le répète, je fais ça, je connais pour Paul-Antoine Bien-Aimé et l'oreille de DCP, parce que c'est un monde extrêmement compétent. Parce que ce n'est transversal. C'est ce côté transversal. Et en même temps, Paul-Antoine Bien-Aimé, Gérald Germain, Roro, jusqu'à présent, même senti, il pensait que je pouvais faire plus lui. C'est un homme sensible. Okay. C'est un homme très, très, très sensible. Et c'est un frère, en parlant de Joisil. Et donc, finalement, parmi tous ces candidats, oui, je ne voulais pas pour Gary Pataka penser que, quand je dis Gary, pardon, le PM Conny, à l'époque, bon, c'était le docteur Conny, mon ami, je pensais que ce serait trop facile. Pour le paraître, pour le penser que tout le monde s'est pété pour le courir, pour te bourrer sous lit. Mais attention. Il faut le reconnaître que parmi tous ces candidats, ces 5 candidats, excusez-moi, Fritz Belizer, Gary Conny, Paul-Antoine Bien-Aimé, Didier Fizeme et Roro Joisil, ces 5 qui se sont dégagés dans l'escarcelle du CP pour nous étendre, il faut le reconnaître que Gary Sénègue, qui t'a fait campagne. Ah, ouais. Mounia dit c'est international. Moi, je répète exactement les mots du CP Leslie Voltaire, qui l'a fait comprendre à Gary. Gary, mais PM Conny, vous êtes là. C'est d'abord parce que vous avez été le seul à mener campagne durant ces 2 mois. Dès la nomination du CP. Extrêmement important. Gary Conny est entré en contact avec tous les CP. Moi, je l'ai mis aussi en contact avec tous les CP. Moi, je vais vous comprendre carrément que c'est un homme que je connais très bien et me répéter. C'est autant que me pensait Paul-Antoine Bien-Aimé, c'est vrai, et tant d'autres, Gérald Germain, tant d'autres, Didier Fizeme aussi. C'est des mondes qui aiment les pays. Yo. Mais je me t'ai toujours dit, yo, que je reconnais que c'est pas un fleur, non, ma voie pour Gal. Oui, moi, vas-y, dis, oui. Ou dis-moi, toute transparence. Ah, toute transparence. C'est un obsédé d'Haïti. Et Leslie Voltaire l'a compris. Je comprends que ce type, c'est un obsédé d'Haïti. Un obsédé qui t'a aimé que l'institution pays en belle. Malgré où elle est loin, il était loin, mais son nez qui était vraiment impliqué, qui comprend l'administration, qui menait campagne, qui envahit nous toutes ces pays. Bon, je me songeais au cours de cette campagne-là, Leslie Voltaire dit,
excusez-moi, architecte Voltaire, le conseiller président, président Voltaire, et lui dit, mon cher nègre, on merde toi, oui. Quand tu n'es une bouche douce, tout journée, nègre, ou là, brelem. Mais lui dit, ça qui fait le plaisir, il y a eu un intérêt. Beaucoup plus élevé là qu'il ça pas veut dire l'autre n'a pas d'intérêt. Donc Darius pour corriger ce qu'a dit Gary Kouni et Gary Pierre Paul Charles, eh ben international qui imposé Gary Kouni. Gary Kouni a mené campagne auprès du CP, le conseil présidentiel de transition nous constate et il y a eu l'exposé, l'interview. Au cours de cette interview qui a été quand même définitif, qui t'a fait choix définitif, au cours de cette interview, et GPPC, il y a une interview de Paul-Antoine Bien-Aimé, correct, Didier Fizeme, quand il a parlé, j'ai dit, ah, correct, Didier va gagner. Il y a eu finalement l'interview de Gary Kouni. On a compris que ce monsieur, c'est une bête de travail, une bête de somme. L'autre surtout, même senti, par exemple, il y avait une différence. C'est pas dans la... excusez-moi. Une différence, c'est pas dans les compétences. Parce qu'en termes de compétences, que le Gérald Germain, que Didier, ou t'as, au départ, moi, t'ai dit, qui ça, Didier, pas le répète. Didier a été très clair aussi dans son approche. OK? Mais on sent chez lui une force quand on sent qu'il voulait venir bailler, on travaille. À ce moment-là, tout s'est pu dire, ah, monsieur... On travaille avec ça. C'est Liboulier. Je veux qu'on le comprenne. C'est cette histoire. Je veux qu'on le comprenne. C'est pas en question de l'international qui a imposé Gary. Gary s'est imposé de par lui-même, de par sa force de conviction, de son obsession aussi pour aider, pour faire avancer les choses. Nous-mêmes, on s'est dit, bon, nous sentis que monsieur est capable d'avancer. Autant de well pour Didier, autant de well pour Paul-Antoine, bien-aimé. Et finalement, quand on a discuté, on dit bon, avançons avec Gary. Parce qu'au fond, c'est pas nous pas qu'à mettre 5. Okay, il fallait choisir. On a choisi Gary. Je vais dire rapidement. Nous comprendre et comme nous disons, toute transparence. Et nous avons pas l'autre information en plus de ça que ça a été qu'on dit et ça que fait Nevito. Mais on va même vous expliquer. Où est sorti le nom de Didier Fizeme? Parce qu'on peut comprendre pour les autres. Le nom de Didier Fizeme, soutenu par un secteur privé, décrié par la population. Ce n'est pas Didier comme candidat, parce qu'on connaît Didier. Mais Didier n'était pas impliqué dans des activités politiques ouvertes. On est venu avec un Didier et déjà des rumeurs circulaient sur des questions d'argent que le secteur privé aurait donné pour que sa candidature puisse être imposée au niveau du CPT. Ça passe côté Didier sorti. Je veux profiter de ce micro pour me dire, peuple haïtien, aujourd'hui, on évite cette tendance à détruire le monde qui parle. Je ne comprends pas cette obsession quand on parle de secteur privé et obligé dit. C'est quelque chose de monnayé, c'est l'argent. Non, depuis l'argent. C'est quoi depuis ce secteur privé. Oh, ce secteur privé, c'est notre secteur privé. Tout à fait. Moi-même, il y a des gens qui ont dit, ah, il réagit là, c'est notre secteur privé, oh, comment il s'appelle, c'est Renault, par exemple. Oui. Ah, Renault t'a monnayé, Renault t'a donné une voiture blindée. Mais c'est de la méchanceté. Alors ce que Renault dit, mais moi, c'est nous sommes amis. Depuis longtemps. Depuis notre jeunesse. Depuis notre. C'est pour ça fait que je suis un homme je suis un produit de cette complexité. Et c'est pour ça. Sociale. Et pour ça, me dit de la transparence en rue. Et Jeep Mercedes, ça t'es un pile problème. Donc, qui n'a aucun rapport. Jeep Mercedes, ça qui bat un problème. Emprunté par un ami. C'est un ami personnel qui n'était pas en Haïti. Lui blindé, lui dit, mon chien, en attendant qu'on machine blindée. M'a mettez ça à la disposition. Et puis moi j'ai vu la Mercedes qui est très jolie. Je dis mon cher, bon profiter. Et à ce moment-là, les courriers ont dit c'est machine moins que m'acheter. Mon cher Mouré, monsieur me dit je fais vite, viens prendre bagage à la caille. Mais au fond, c'est parce que c'est en Haïti. Je suis un médecin de plus de 30 ans de carrière. Ma bataille. Où t'es et oh, malheureusement, moi-même, j'ai été faire médecine. Il y a des médecins de ma promotion qui ont acheté Mercedes.
Est-ce que vous comprenez? Et excusez-moi, ce que j'ai en termes de patrimoine beaucoup plus supérieur que mon Mercedes. À mon Mercedes. Je suis dit clair, mon patrimoine, c'est plus de millions de dollars. C'est-à-dire que je ne suis pas dit millionnaire, puisque bagarre de cash, parce que je ne suis pas vie. J'ai construit ma vie pour me faire cacher mon Mercedes. Mais le tollé qu'on a fait avec ça, on a associé ça directement au secteur privé. Moi, on me compte que ce pays-là, nous devons cesser de diaboliser ce qui nous appartient. Il y a des nègres dans le secteur privé qui font peut-être des dérives. Autant qu'il y a des nègres dans le secteur politique, là, ils font des dérives. Ils font des dérives. Il y a des gens dans tout secteur. Il y en a qui pompent sain, c'est eux qui pient droite. Ou là, ils entrent en bas, ou après, ils font des dérives tout. Ok, je ne veux même pas qu'on a shooté sur le monde. Oui. Mais c'est une façon pour me dire que Jodia. Le secteur privé qui a une banque, qui a l'hôtel, qui a investi dans le pays. Le secteur privé qui l'a. Mais ils ont tout souffert de la situation du pays. Au Cap Jeune, ils ont tout en difficulté parce que même les pays n'ont pas qu'à marcher pour nous, même classe moyenne, ils ont même qui pire, ils ont pris plus gros. A dit que, son façon pour me dire que, je dis, moi, entre la logique, il y a des gens qui ont empêché, qui ont des amis que je connais depuis très longtemps, depuis ma jeunesse, parce que c'est vrai, eux même tout, il faut corriger leur façon de faire. Cette tendance, tant que Fritz Jean Remendil, bon, je me répète, même pas voulu répéter le tout, pour lui tourner en sorte de peur, pour empêcher les gens du secteur privé continuer à porter et des pays en sortie, parce qu'ils font partie aussi de la classe des affaires. De classe politique là, au contraire, c'est quelque chose de positif que Didier, c'est aussi un membre du secteur privé. Oui. Et c'était un homme politique engagé qui fut candidat au Sénat, qui était passé à deux doigts d'être sénateur. Donc, moi, pas comprendre cette obsession pour m'en empêcher, par exemple, moi-même, que j'ai des relations avec qui je veux. Du moment que mon n'a pas impliqué, si mon n'a pas. Ou pas besoin de moi wong là-dedans parce que je viens de l'expliquer. C'est 20 ans de envie, d'engagement. Je ne suis pas quitter un yen pour mon vie essayer de faire tito la lito pour essayer de déchirer en société parce que au monde ou ces secteurs privés. Une question de arrêter de diaboliser ce secteur privé qui est notre secteur privé. C'est ça. Et d'ailleurs, il faut nous suspendre parce que le secteur privé a un rôle à mission dans toute société. Et actuellement, on a un représentant. Un homme brillant du secteur privé au niveau du CP. C'est pas quelqu'un de moi, c'est son avis est toujours très écouté. Même s'il était. Qui ça, M. Bay, comme explication, le fait qu'il était quitté, il était parti avant. Ça, il était Bay comme explication. Et l'explication est simple. Très simple. Je pense que problème familial, la famille doit passer au-dessus de tout. Et moi-même, moi, quoi là-dedans. D'accord. Là, et c'était un problème personnel, son problème dans la famille, et tout le monde a compris. Et c'est même pas la peine, c'est pas mon devoir, ni son devoir non plus, d'exposer au grand public ses problèmes familiaux. Il avait un petit problème. C'était même, en plus d'un problème, il y avait aussi un événement familial important dans sa vie. Et en tant que père, il se devait d'être présent dans cet événement. Merci. Faut nous constater pour qu'ils aient posé des questions, parce que c'est tout ça pas clair, et ça qui fait mourir l'émission en transparence. Oui. C'est pas ça qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est en fait, sur les réseaux, comme il ne pouvait pas voter Didier, on lui avait demandé de voter Didier, et il n'est pas capable, devant la pertinence, la force de la puissance étoilée, il se voit obligé de prendre la fuite. Et vous ne comprenez ça, ça veut dire qu'on a un problème, une famine est obligée de passer. Parce que dans le niveau, ça faut à voter, il n'est pas là, il est obligé de passer. Donc, nous sommes en train de Gary, je te jure, crois-moi. Non, je te crois, moi. Nous n'avons pas eu d'influence de la communauté internationale des États-Unis d'Amérique pour choisir Gary Conille. Gary Conille s'est imposé de par lui-même, de par ses arguments, de par la campagne intelligente, tenace, constante, permanente, durant ces deux mois,
au niveau du CP. Très bien. Et nous répétons encore phrase ici, Voltaire, il dit, mon cher Zamou, ça ennuie trop. Cadou, nèg, n'y en mette chaque jour, nèg, garion. Donc c'est pour prouver que finalement, on s'est rendu compte, si on m'en obsédé comme ça, pour lui aider pays, pourquoi ne pas lui donner cette chance? Okay. Et c'est à ce moment qu'on demande aussi au PM Gary de comprendre que cette chance, c'est ensemble que nous devons la prendre. Nous parlons sur ça. Nous parlons sur ensemble. Nous parlons sur ça. Okay. Sur cette biologie qui doit exister entre nous-mêmes avec les primatures. Beaucoup n'y a pas avancé. Mesurez comme si. Mesurez répondre de manière directe et rapide. Hein? Parce que nous sommes devant, mais c'est vrai parce que c'est une pire question. Question éclair. Ministre de Santé publique là, qui est relation avec ministre de Santé publique là, c'est un membre de la structure politique à laquelle j'appartiens, que je dirige avec d'autres amis, de Noula. Monsieur, c'est membre Noula depuis longtemps. Et monsieur, c'est un monsieur qui travaille à travers tout pays au niveau de la santé publique. C'est un monsieur qui a son DES, c'est-à-dire études post-universitaires en santé publique. Donc, ce qui est clair, je pense que c'est un monsieur capable et il a fait ses preuves à travers une interview d'autres monde Bali. Oui. Il a compris ça. Donc, je n'ai aucun rapport familial, tant qu'on me dit, j'ai aucun rapport familial avec monsieur et docteur Georges Brignol. Mais ce qui est important, j'ai un rapport politique avec lui parce qu'il était membre de nous là, signataire de l'accord du 21 décembre. Et je pense qu'il va se faire bien entouré et je souhaite une bonne chance. Mais m'a rappelé le tout, pour profiter de l'interview pour me dire, je n'ai aucun quartier, c'est-à-dire je n'ai aucune chance que m'a baili. Il doit comprendre que je suis responsable du chantier santé. Donc c'est n'importe erreur que le fait, moi-même, parce que il y a des gens qui disent jeune, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai été sénateur de la République à 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, et je peux profiter de ça avec tout respect. Je ne suis pas un monde qui dit, mais je suis un homme modeste, mais je crois avoir fait mon boulot. Et voilà. Compatriotes haïtiens, franchement, nous sommes dans bon timamite, tout détail, toute explication que le conseiller président, Dr. Louis-Gérald Gilles, lui-même, il a bail. Par couli dans politique, côté le sorti pour le tomber dans le conseil présidentiel transition, relâche proximité lié avec premier ministre Dr. Gary Conille, bataille que le conseil présidentiel transition a mené, et scandale que le subit, dommage émotionnel que le subit, tout ça, causé en pile, oui, causé en pile. Ce qui est certain, compatriote Aïssé Frechem, c'est que journée jeudi, Jean Bagayo a dérapé, l'agent train a déraillé là. Et bon, monsieur, ça qui est important pour moi, c'est ouais conseil présidentiel transition, il a assumé responsabilité. C'est ouais gouvernement Gary Conille a assumé responsabilité. C'est ouais Haïti gain sécurité. C'est ouais il respecter ça reprend comme engagement pour en si peu de temps. OK, non budget pour nous ouais 2 ans a passé pour Haïti gon président et qui est élu qui a véritablement fait travail pays qui est arrivé et petit coulier répond avec besoin population besoin peuple haïtien. Pour nous pas prendre un coup de maltaye, pour nous pas prendre un président importé, pour nous pas prendre un président vini, un président voyé, eh bien c'est nous même depuis aujourd'hui qui doit commencer. Prendre des engagements citoyens qui doivent impliquer nous dans la bataille pays, nous dans le changement pays. Nous pas de monde qui va le faire pour nous, pas de monde qui va le faire nous cadeau, quoi que ce soit. Si vous pas assumez responsabilité, eh bien, vous allez continuer à plaindre, vous allez continuer à accuser les gens, vous allez continuer à rendre les gens responsables de malheur. Et si nous pas fait rien pour nous contourner la situation, ça, eh bien, compatriotes haïtiens franchement, malheureusement, il faut le dire, eh bien, pas bien rien de ça qui a changé. Si nous voulons changer un bagage, c'est nous pour faire. Si nous voulons bagage changer, c'est ensemble pour nous faire. Donc, compatriotes haïtiens franchement, travail en li en pile, travail en li difficile, c'est vrai, mais ensemble, avec volonté, n'a pas arrivé. C'est là, nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. C'est un véritable plaisir pour nous porter information si là pour vous. Restez connectés avec Chanel là pour cette programmation. Rendez-vous en casse dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, ou et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sorti le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial.
pas les pays, nous pourrons faire des bases.